Bonjour à tous, j'ai le Feuze, et nous voici de retour dans Arkham City, en compagnie de notre ami Batman, qui a, j'ai l'impression que voilà, son déguisement, enfin son costume fait de plus en plus la gueule. C'est triste quand même. En plus, on a commencé il y a pas longtemps, enfin, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est un peu triste. Bah, ne viendrai pas ici juste pour le Joker. Il a d'autres motivations. Ouais, te casser la gueule. Non, en fait, c'est surtout que je suis venu juste ici pour en fait tabasser le mec qui se trouve être... Oula. Oh putain, combo breaker. Tais-toi. La 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 la. Tiens, dans ta face. La 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 la. Neutralisation. Oh, dans ta face. Tout 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 tout. Je fais mes courses. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Regarde, c'est ici que tu... Et ouais, donc, juste pour avoir l'information, en fait, c'est l'informateur de l'homme mystère. Enfin, parce que j'aimerais bien, faut peut-être que je termine mes phrases aussi. Excuse-moi, voilà, et tu dégages, toi. Alors. Qu'est-ce que t'as à dire? Dis-moi tout ce que tu sais sur l'homme mystère. Je fais juste ce qu'il dit! Je te dirai tout ce que je sais! Merci. C'était rapide. Ouh. Secret de l'homme mystère ajouté à la carte. Ok, d'accord. C'était super rapide l'interrogatoire quand même. Donc du coup maintenant on va rechercher Ra's al Ghul, et parce qu'autant continuer un peu la quête principale. Et oui, l'énigme de la partie d'avant, de la vidéo d'avant, j'en ai eu marre de la chercher en fait. Donc du coup voilà, je vais continuer. On va rendre le soutien-gorge à la madame. Quelle famille d'acrobates et un physique chevalier en l'air ne compte désormais plus qu'un seul membre. Oula, ça lag un peu là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de famille d'acrobates? Partout où je veille des énigmes. Oula, attends, c'est quoi cette technique en rouge? Trophée de l'homme mystère, ok. Ah, ça va être un trophée, ça. Trophée de Catwoman, d'accord. C'est un trophée de la madame. Donc du coup, on va rendre son soutien-gorge à la ninja. Voilà. Oui! Ah, c'est vrai que sans le Joker, ce serait vraiment marrant. Tout, 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 voilà. Donc, parce que oui, c'est bien, je vous dis où je veux aller, mais si je vous bosse, voilà. Accès à maintenance du métro. Celui l'assassin du... retrouver Ra's al Ghul. Voilà. On va retrouver Ra's al Ghul. Et pourquoi il y a un autre point ici? Commandement T. Oh, ça, c'est une scène de crime. Ça peut attendre. Et est-ce que je vais réussir à attendre? Allez, allez, voilà, c'est bon. A-t-il encore une menace? Vous savez ce qui se passe quand Batman élimine quelqu'un. Est-ce que t'as vu la tronche qu'il a? Bon sang, il va pas bien du tout. Il ressemble à ma tante quand elle est morte, à l'âge de 98 ans. Ouais, bon, si je fais ça. Harley est dingue, Double Face et Furax, et le Joker est mourant. Et nous, on est coincés au milieu. Je sais, mon pote. Bon, ok, ça marche et ça. Ça va très mal se finir, et pour tout le monde. Ah bah oui, et évidemment, si je lance pas le chrono aussi. Donc voilà, vous aurez un petit épisode d'un peu plus long, qui dure un peu plus longtemps. Donc au passage, ce sera le seul épisode de Batman de la semaine. Les deux autres épisodes de Let's Play seront consacrés à Lord of the Fallen. J'ai envie d'avancer un petit peu dans l'histoire. Il est passé par là. Mais non. Juste halluciné. C'est pas possible que quelqu'un soit passé et soit descendu. Impossible. Ninja. Si, je te jure. Parce que c'est des ninjas. Attends, c'est moi, il avait une arme, ce mec. Putain, j'ai cru qu'il avait la peau dégueulasse, mais en fait non, c'est juste son manteau. Donc du coup, les ninjas doivent se trouver ici. Y a quelque chose d'intéressant dans le coin ou pas? On va dire que non. Donc du coup, on va passer directement. Ouais, vas-y, non, lâche tout. Oracle, sous la surface, Gotham est un labyrinthe de ferraille et d'acier usé. Mon signal peut s'affaiblir. Essayez de garder le contact. Je redirige la couverture satellite supplémentaire. Bonne chance, Bruce. Ouais, le tueur franc au collier et tout, c'est pas Killer Croc, ça? Bon, on va dire que non. Donc du coup, on va continuer à chercher la ninja. J'ai pas du tout écouté la conversation, en fait. Ah, cool, encore des dents. Ouais, je crois qu'il est carrément balancé, mais... Voilà. Ceci est un piège, vous m'aurez pas comme ça. Qu'est-ce que c'est donc que ceci? C'est quoi ce labyrinthe?
Voilà, je connais. Enfin, j'espère que c'est bien ça. Ninja, la la da 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 da. Easy. Et ça a servi totalement que... Mais c'est nul. Ouais, moi qui pensais que c'était raide là-bas, ici j'ai pas follement froid, je suis trempé et j'ai l'impression d'empester la merde de croque. T'arrêtes jamais de te plaindre. La ferme, tous les deux. On a un boulot à faire. Les gars du pavot sont armés lâchés. Ou pas? Joker veut qu'on bute tous ceux qu'on trouve. Et je croyais qu'il leur proposait du boulot. Il a dit que c'était à nous de voir. Moi, j'aime pas ces crétins. Coucou. Merde. Aïe, aïe, oh. Voilà, toi. Mais, oh non. Parce que ouais, c'est... En fait, les mecs armurés sont tous différents par rapport aux... Avec... par rapport aux méchants. Coup critique dans ta face et je t'assomme. Aïe, mais oh, méchant monsieur. Non mais oh. Donc, j'espère qu'on va pas tomber sur Croc parce que ce serait vraiment dommage. Le Joker a fait passer son équipe par les égouts pour chasser les derniers sbires du pingouin. Attends, sérieux? Donc il y a les sbires du pingouin, il y a les sbires de Joker, il y a des ninjas... Des ninjas femmes. Eh ben, ça pourrait être marrant, tiens. Par contre, ce qui me fait peur, c'est vu que c'est les égouts. J'espère qu'il y aura pas un Croc sauvage. Ça ne va pas être facile, Batman. Pourquoi? Mais il est méchant. Tout. Tiens, voilà, pas. Vas-y, comme ça. Trois dentées du Joker. Ouais, ça c'est la classe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ah non! Ok, d'accord. C'est juste que... Il aime pas se baigner en fait, c'est tout. Batman n'aime pas se laver dans l'eau des égouts. Vous voyez, c'est mon souhait, il n'est pas à la même valeur que nous. Ouais. Paye ton utilité. Déclenche une voie terrienne, un produit d'utilisation pour déplacer autour des coins. Attends, LT. D'accord. Donc. Oh oui, attends, yeah. C'est n'importe quoi. J'ai trop de skills. Qu'est-ce qui se passe par ici? Bon bah on va passer par là. Oui. J'aime pas ça. Il y a trop de suspense dans le coin. Écoutez, les derniers hommes du pingouin sont tirés quelque part par là. Ah ah. Joker veut qu'on les retrouve. Est-ce qu'on les tue? À nous de voir. Ouais, la moitié des gars du pingouin sont des mercenaires. Moi je leur fais pas confiance. Comme je disais, c'est à nous de voir. On verra ce qui se passera quand on... J'avoue que le pingouin, il est plutôt du principe que l'argent, enfin, on peut tout acheter avec l'argent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est con, Batman. Regardez, c'est Batman. Et d'où ils m'ont vu? Ah, ok, d'accord, c'est même pas tout. Salut. Attends. Voilà, on enchaîne les kills. Non, j'ai plus en mode ultra vitesse tout ça. Aïe, je pensais que j'allais éviter ce coup là. Voilà. Non, aïe. Salopri. Bon ok, on abandonne. Non. Aïe, oh là là, il fait chier. Ah là, oh, ouh, ça fait de mal ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, j'ai fait de la merde. J'ai du caca en spirale. Oh là là. Alors toi, qu'est-ce que tu fous ici déjà? L'homme mystère. Parle. Oh merde. D'accord. Je vais l'aider. Merci pour ton aide. Je vais l'aider. Mais il est con ce mec. Donc, après avoir fait de la merde, c'est enfin les vacances. Où puis-je aller dans un endroit plein de venin? Bon, attends, toi déjà. J'ai dit toi déjà, voilà. Alors.
Putain, je suis sous le bâtiment interdit, tout ça. Alors déjà, on va faire un petit peu de PSP. Percer le système, oh ouais. Voiture. C'est génial. C'est le meilleur mot de passe que j'ai jamais entendu. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais passer par ici. Donc sinon, y'a rien d'autre à faire dans le coin. Bon, y'a une arme, apparemment. Heureusement que je me suis débarrassé du mec assez rapidement. Le protocole 10 prendra effet dans 5 heures. C'est sérieux, là? Je retourne à un endroit où j'ai saboté le truc du pingouin? Oh, ce foutage de gueule. Attends. On va essayer de passer par là, hein, s'il y a un truc ici. C'est qu'il y a forcément quelque chose. Doudoud. Ya! Easy. Non, je suis enfermé pour toujours. J'ai dit enfermé pour toujours, voilà. Bagaille sur les toits, intéressant. Oui, donc les défis, je les ai déjà testés. Et je les ai trouvés moultement sympathiques. Donc du coup, toi, vu que Batman aime pas l'eau, vu que Batman est un gros cradingue. Là, c'est nul, je suis au ralenti, mais je veux la pète. Et ça sert à rien, et ça sert à rien. Je trouve ça n'importe quoi, le coup du ralenti avec la tyrolienne. J'allais dire, ouais, faites jouer un peu le skill des gens, mais en même temps, si je montre une totale absence de skill, je ne vais point être convaincant. Oh putain, s'il y a du chargement là, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Donc là, il y a des mecs armés, il y a un mec... Non. Vous allez bien? Qu'est-il arrivé? Les capteurs... Ah oui, c'est le virus! Laissez-moi une minute. Ça va aller. Non, pas question. Il y a presque plus de temps. Il n'y a presque plus de temps. Alors déjà, faut m'expliquer. Bah déjà, tout d'abord, j'ai eu peur que ce soit l'épouvantail qui intervienne. Donc à un moment comme ça aurait été un peu abusé. Mais surtout, en fait, je suis étonné. Voilà, au cas où il est détecté. Je suis étonné parce que le Joker, lui, il est infecté par cette toxine-là depuis super longtemps. Donc je suis étonné que le Joker, lui, soit pas à chaise comme ça, en fait. On est pas censé être dans une prison. Tu poses beaucoup de questions, mon gars. T'es sûr d'être dans le bon camp? Motherfucker! Oui! C'est Batman! Batman! Non. Viens, je vais te charcuter. Voilà. Aïe! Ouh! Pas forcément. Ça va encore jouer sur mon assurance. Aïe, mais là j'avais paré. Tiens. Mais là j'avais paré aussi, attends. Eh oh, voilà. Bon. Aïe, oh, tout, mais je fais que du caca. Non, j'ai... Je suis mort comme une merde. Je croyais que tu aurais un peu plus d'endurance. Oh putain, la gueule du Joker. Oh, waouh. Elle était pas si horrible que ça, la gueule du Joker avant. Ah ouais, c'est dans les épisodes précédents. Avec les citations de Batman et tout. Mince, y'a quoi dans ces trucs? Bon, pour le coup, on va y aller en mode discret, c'est ça? Des explosifs, des capteurs thermiques, du bon matos militaire. Salut mec. Pour démonter le sale pingouin. Où est-ce que ça sort, ces trucs? On n'est pas censé être dans une prison? Ok, du coup, on va essayer de passer par là. Questions, mon gars. T'es sûr d'être dans le bon camp? Qu'est-ce que tu racontes? Je bosse pour le Joker, tu sais bien. Ça fait des années que ça dure. Voilà, mode ralenti. Voilà, donc maintenant, on enchaîne. Voilà, les armes sont interdites, motherfucker. Voilà, non, ouais. Je suis à 11 de tradis parce qu'il fait vraiment chier. Vous ramassez pas les armes, vous êtes fini. Ouh, ouh.
Là par contre on a rien vu à ce qu'il faisait. Ouh, oh non, non il veut mourir. Oracle, il veut mourir noyé. On dirait que le Joker a envoyé ses hommes pour voler les armes des gardes Tiger. C'est mauvais signe. Tiger, comme les tigres. Armes militaires dernier cri. Si le Joker met la main sur ces trucs, enfin, vous voyez. Ça n'arrivera pas, je l'en empêcherai. Ou enfin, faut d'abord que tu te sauves un peu la vie mec. Je rappelle que t'as un cadavre de ninja à essayer de chercher. Donc pour ceux qui se disent, oui, Razagul n'est pas un ninja et tout. Oui, je suis au courant, vous inquiétez pas. C'est juste que je trouve ça plus stylé de dire que c'est un ninja. Enfin, si, c'est quand même limite ninja, quand même. Regardez qui voilà. Le crime est partout sur Globe, tu ne l'arrêteras pas, Batman. Ne me faites pas de mal. On va pas vous faire de mal. Quelqu'un dans cette pièce utilise un brouilleur de signal. Pour entrer, mais c'est... neutraliser pour pouvoir repérer mes cibles. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Tu veux bien me la laisser? Non, je t'ai laissé la dernière. Va chercher le reste des armes et stocke-les là-bas. Y'a un planning à respecter. C'est ça. J'ai des générateurs d'interférences militaires. Neutraliser le voyou doté d'un brouilleur de signal pour rétablir un mode de détection. C'est ton toi. Alors arrête de râler et bouge-toi un peu. Le problème, c'est que si t'as des armes, ça va pas être cool. Donc du coup, on essaie de neutraliser. Elle est toute seule ici. Coucou. Y'a de quoi avoir peur. On est... Qui est-ce qui crie? Pas moi. Moi, je vous jure, c'est pas moi qui crie. Je m'occupe de cette zone. Ouais. Qu'est-ce que tu fous là-haut? Fais-moi descendre. Tiens, qu'est-ce que tu fous là-haut? Comme si le mec avait choisi quoi. Merde. Donc là, je vois quand même les certains mecs. Fais tourner en bourrique. Comment il s'y prend? Laissez-le. On a plus important à faire pour l'instant. Comment ça, plus important? Ça va pas se passer comme ça. On va te retrouver et on va te... Cachez-vous. Vite. Ninja. Ces gens sont dingues. Ah, c'est... Comment ça s'appelle? Fiona, c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Attends, c'est lequel déjà? Et voilà, à un point! J'ai commandé les flashbacks de la dernière. Vous avez entendu le patron? Ton heure a sonné! Merde! Batman! Je pensais que le mec aurait été plus rapide que ça. Il s'est enfui. Il est... Mais merde. Là-haut, je vois. Non, je suis pas là, motherfucker. Trouvez-le, allez. T'es en train de détruire les trucs? Non, c'est pas cool ça. C'est pas cool. Attends, comment je vais faire pour notre... Le 4, hein. C'est celui du milieu qui a le brouilleur. On est d'accord. Du coup, s'ils sont en train de l'isoler... Où il est? Je suis là. Coucou. Donc voilà, j'essaie de me concentrer un petit peu. Désolé si je parle pas beaucoup. C'est en fait, tout simplement... Attends, comment on fait pour le détruire? Ok, d'accord, c'est détruit automatiquement. Tout simplement parce que j'ai évité de faire un peu trop de la merde, histoire de pas perdre énormément de temps. Coucou! Putain, il m'a pas vu. Da-da-da-da-da-da-da-da! Batman! Attends, comme ça il y en a un autre vert. Ah putain, merde, ils sont encore plusieurs! Merde. Allez, debout mec! Allez, avec toi! Montre-toi, mauviette! Coucou, je suis là! Et... Exécuter une animation instantanée 5 fois. Ok. N'arriverai jamais à arrêter un billet en costume. Il faut ses armes. Oui, bah... Bonjour, mademoiselle. Merde. Il faut la sauver comme ça. Tenez bon. Genre... Et pendant cette interlude musicale, enfin, il n'y a pas eu d'interlude musicale, ce petit éclipse, il s'est tapé le docteur Fiona Wilson. Je suis à Arkham City? Bon sang, qu'est-ce que je fais là? On m'a enlevé à l'hôpital dans lequel je travaille. On m'a drogué et je me suis réveillé dans un bâtiment, là-haut. La personne qui dirige cet endroit rassemble des médecins pour tenter de soigner le Joker. Vous n'avez pas eu de chance. Il est mourant, c'est ça? Il semblerait. Est-ce que c'est grave si ça ne me touche pas? Et maintenant? Vous devez rester là.
Donc, restez discrète et tout ira bien. Je vais revenir. Donc alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Oracle, c'est moi. Le Joker n'est pas en train de voler les armes de Strange. C'est Strange qui les donne simplement au Joker. Vous en êtes sûr? Oui, question idiote. Pourquoi il ferait ça? Il essaie peut-être de contrôler celui qui fait la loi dans les rues. Je vais me renseigner. D'accord, mais il ne vaudrait pas mieux trouver Raz d'abord? Ouais. Je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas, Barbara. Mais par où je pensais pas... Ah, d'accord. Est-ce que je peux atteindre le plafond comme ça? Ya, vas-y, saute. Vas-y, saute. Bon, ok, d'accord. Laisse tomber. Batman, t'es trop con. Laisse tomber, le crime est parti sur le globe, tu n'arrêteras pas. Bon, tant pis. Adieu l'énigme. On y va. Donc, où est-ce qu'il faut que j'aille? Par là. Non, mais c'est vrai que je suis vachement éloigné en fait depuis la dernière fois. Qu'est-ce que je me suis paumé? Ah, c'est par ici, je crois. Sympa en tout cas les endroits là. Sympa les robots. Donc allez hop. Oh, pour le suspense niveau supérieur. Qu'est-ce qui se passe? Ah, corde de la tyrolienne. Fait de grimper sur les câbles et utiliser comme une corde. Ça vous permettrait en fait de faire un point d'observation avec les ennemis ainsi que les repas et les traités de mystère. Ouh, ça peut être intéressant ça. Brouilleur, arme à feu, batarang sonic, armement à la batte griffe. Brouilleur, arme à feu. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là tout simplement parce que il y a déjà, bah c'est super utile. Et en plus, il y a des défis qui demandent ça en fait. Il y a des filles. Et maudit, les villes comme Gotham grandiront. Elles deviendront des enfers qui perceront les trottoirs. Ok. Et s'étendront très haut jusqu'au ciel. Mais qu'est-ce que. Je parle de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un coup de l'épouvantail, ça. Attends. Ah, ça va être non. Attends, on va essayer de le décrocher. J'aime pas ça comme déco. Ok. En fait, c'est pas l'épouvantail, c'est Ra's al Ghul. Oh merde. Aïe. Putain, gâche-toi. Qu'est-ce que c'est que c'est? Tiens. Pour exécuter la clé pour acheter un ennemi. Esquive, esquive, esquive. Tiens, tiens, tiens. Tiens. Pour la raclée. La raclée de l'amour. Mademoiselle, mademoiselle. Coucou, tu veux-tu voir ma cape? Ouh, elle a pris tellement... elles ont pris tellement cher, les Gorgordines. Ok, donc là, il parle de récapituler, non. De sauver Gotham en tout cassant, en fait, en recommençant tout zéro. On va essayer de passer par là. Bat. Ah, ok, il était juste caché en dessous, en fait. Ouais, ça, tu l'as déjà dit. Excusez-moi, monsieur, vous radotez. Merde. Voilà. Et du coup... Non, ça c'est une armure. Ça c'est une armure aussi. Je suis sûr qu'il y a un truc quelque part dans le coin. Oula, ça lag un petit peu. J'aime pas ça. Pourquoi il y a aussi un aussi grand espace sans rien dedans? Vous savez, vous pensez c'est quoi vous? Ah bah tiens, je me disais aussi. Le mouchard continue après cette porte, mais on dirait que celle-ci est fermée depuis des années. En fait, Ra's al Ghul, c'est un robot. Doit utiliser un autre chemin pour passer. Putain, on entend les pensées de Batman. Il doit s'agir des célèbres gardiens mécaniques de Wonder City. On dirait que leur mécanisme interne était sophistiqué. Il semble qu'ils utilisaient une sorte de bande mémoire, un ancêtre de la vidéo. Je pourrais peut-être l'analyser.
Dure soirée, mec, hein. Vas-y, analyse. Merde. Je le sens pas. Je sens qu'il va se passer quelque chose en mode... Voilà. Les sont incomplètes. Je vais en trouver d'autres. C'est bien plus sophistiqué que la technologie disponible à l'époque. On dirait que les données sont stockées dans un pool mémoire partagé. Je peux peut-être récupérer des informations. C'est n'importe quoi. Genre les mecs, ils sont là depuis des années et simplement en les analysant, et ben ils se cassent la gueule, quoi. C'est n'importe quoi. Ça défie toute logique. Pour la peine, je marche sur les poteaux. Est-ce qu'il y en a quelque part par ici? Ah. Voilà, toi t'es là. Vas-y, pète. Voilà, il a pété, j'en étais sûr. Qu'est-ce qui se passe par ici? Ou sinon, alors je passe directement par ici, en fait. Ah, quoique. Bon, attends. On va essayer de voir ce que ça cachait, ici. Donc voilà. Attends, si je me mets ici. Ouais, non, faut de l'autre côté en mode ninja vitesse, tout ça, c'est pas trop mon genre. Donc, du coup, on va continuer à chercher les robots. Petit. C'est pas ici. Bon, on descend ici. Non, j'ai dit on descend. Voilà, t'as tout compris. Donc. Tiens, voilà, toi. Un petit trophée de temps en temps, ça fait du bien. Et toi, alors, toi, comment tu désactives? C'est quoi tous ces trucs? Ok, bon bah si ça revient, alors on pourra commencer ça plus tard. Donc du coup, toi, est-ce que je peux te... Du coup, j'ai l'impression que je peux te monter dessus. Oui, soyons fous, grand fauve. Du coup, on va peut-être y aller. On passe par la fenêtre. Oh non! Tiens. Tiens, voilà, toi. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Toi, t'as pris trop cher! Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Pouah! Mais quand... Mais... C'est des clones en fait. Genre les mecs ils kidnappent que des filles d'un certain âge et tout, exprès pour faire ce genre de truc. Genre, mais les brunes, je sens que plus tard elles vont ressembler à ça. Allez, on les recrute. Et pourquoi? Pour avoir toutes les mêmes. L'autre, il se fait un... en fait, Ra's al Ghul, il va se faire un harem rempli de... d'une fille copier-coller, quoi. Par ici, non. Putain, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a des mecs qui traînent. En fait, non, c'est juste les robots qui sont en vitrine. Un pan de robot, où est-ce qu'ils sont les autres? Ah, il y en a un en, tout en haut. Voilà. Et ouais, tu crois que je t'avais pas vu, toi? Dure journée, hein. Ah ouais, mais rentre pas, j'ai batterie à plat. Putain. Non, non, esquive. T'as, esquive. T'as esquive. Oh putain, mais. Voilà. Non. Tiens. Pouah. Le truc trop stylé que je viens de faire dans ta face. Par contre, niveau PV. C'est bien, j'en récupère après les avoir tabassés, mais le problème c'est que ça va pas durer indéfiniment. Attends, où est-ce que. Waouh! Batman! Batman! I'm Batman! C'est pas par ici. Donc, on va continuer à chercher dans ce coin-là. Merde! Genre les vitres, j'arrive pas à ces vitres-là, j'arrive pas à passer dedans, quoi. Ce jeu est mal fait! Ya! Yeah. Ça marche pas non plus. C'est n'importe quoi! Je vais vous présenter le futur. Ouais, moi j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il se trouve en futur là, en ce moment. Y a-t-il un robot que... Bah attends. Mais fallait dire que ça marchait sur les robots qui étaient à l'intérieur. Oh non. Toi. Voilà. Ta-ta-ta. Tiens, voilà, toi. Mademoiselle. Merde, hé. Continue à frapper, bah voilà.
Pourquoi il s'est mis à frapper quelqu'un dans le vide? Oh, c'est mignon, ils dorment ensemble. Oh, c'est trop chopin. Hein. Bon, moi, les madames, elles font un petit peu chier par ici. Et ça s'arrête pas à 99%, c'est pas mal déjà. Données complètes. La bande de surveillance reconstituée m'indique le chemin emprunté par l'assassin. Elle a sûrement utilisé une entrée secrète. Il faut que je la trouve. Bon, ok, du coup, ça va être ici. Là, c'est bon, j'ai deviné où c'était. C'était pareil, c'était ce numéro ici. Attends. Activez panneau secret. On dirait qu'on peut placer une épée ici. Mec, tu viens de Tiens bas. Excusez-moi madame, j'emprunte. Et bim. C'était trop prévisible. Je voulais venir à 500 mètres ce truc là. Le protocole 10 prendra effet dans 4 heures. On va casser ça. Pour la joie de la forme. Voilà. Par contre après, bah oui, forcément ça va être... C'est le truc que j'ai désactivé tout à l'heure, comme par hasard. Alors, toi. Ou alors, toi, sinon. Ou alors, toi. Bon, sinon, ouais. Bon, ok, d'accord, j'abandonne. D'accord, j'ai pas vu l'échelle, en fait. Coucou, les gens. Pourquoi tu prends autant de temps? Ah bah oui, t'es un petit peu... Je crois que t'es mort, mec. Sauvegarde. Oh putain. Les parents de Wayne, comme par hasard, je pense. Ouais, voilà. T'entends, n'est-ce pas ? Tu dois entrer dans la lumière. Ton père et moi t'attendons. Tu nous manques tellement. Ne va pas vers la lumière ! Tu dois le faire. Il faut que tu le fasses, Bruce. Bruce ? Bruce, vous m'entendez ? Vos signes vitaux, ils chutent. On dirait qu'ils s'effondrent. Vous devez trouver ce que vous cherchez maintenant. Bah, j'y suis presque là. Combien de temps il me reste ? Oh, Dieu merci. Je vais devoir être honnête. À ce rythme, je dirai quelques minutes. Sérieusement, Bruce, vous devez me dire ce que je devrais faire et ce que Robin devra faire. Vous savez, si vous... Je vais m'en sortir. Bah, de toute façon, déjà, le mec risque plus de révéler qui je suis parce que du coup, je serais mort. Donc du coup, ça servirait plus à rien, quoi. Attends, du coup, attends, je suppose que c'est par là. Salle du démon. Intéressant. Bon, il est plus de 30 là, mais je me suis dit que vu que c'est le seul épisode de la semaine à propos de Batman Arkham, tout ça, on va peut-être rajouter un petit boss, il y a un petit boss. Allez, avance. Genre le mec qui s'installe une cathédrale en dessous, quoi. Tu aurais dû écouter mes mises en garde. Tu n'as aucun ami pour te sauver ici. Stop. Ah, Talia, c'est ça? Bonjour madame. Ouh. Bonjour Talia. Comment tu nous as trouvés? J'ai reconnu ta garde personnelle. Il ne me restait plus qu'à la suivre, en fait. Pitié, maîtresse, il m'a berné. Allez, va-t'en. Je m'occuperai de ton cas plus tard. Ouh, il y aura du bondage. Tu n'avais pas besoin de te faire arrêter juste pour me voir, Bruce. Après la nuit qu'on a passée à Metropolis, il te suffisait de m'appeler. Je ne suis pas là pour toi. Où est Raz? S'il est encore mort, j'ai besoin que tu ailles le réveiller. Non. Le vrai successeur a le droit de voir le grand Ra's al Ghul. Mon père a toujours souhaité nous voir réunis, toi et moi, pour commander son armée. Je vais mourir. Imagine un instant. Toi. Moi. Un monde meilleur. Oh la face! Qu'est-ce qui se passe? Je suis ici pour prendre ma place à tes côtés. Tu veux devenir un assassin? Pourquoi devrais-je croire à ce... Parce que sinon je meurs. Mon visage. Est-ce que j'ai l'air d'avoir le choix? Es-tu prêt à passer les épreuves du démon
Tu dois prouver que tu peux ôter la vie pour sauver le monde. Je suis prêt. Alors que les épreuves commencent. Par contre, je voudrais pas faire le gros mec en chaleur tout ça, mais... Waouh, quand même. Des milliers de guerriers ont péri en tentant de trouver le démon. Les successeurs potentiels n'étaient en fait que des enfants incapables de affronter l'énormité de la création. Ouais, c'était un sens sexiste. Allez, c'est parti, on continue. À ce qui t'attend ensuite. Excusez-moi, les demoiselles. Le destin décidera de mais quand même, quoi, Talia. Waouh. J'ai entendu ces mots une centaine de fois. Espérons que tu aies raison. Par contre, je me souviens pas du tout l'avoir vu dans les dessins animés de Batman, en fait. Ra's al Ghul et tout, je me souviens pas du tout les avoir vus dans les anciens dessins animés de Batman. Ton voyage commence derrière cette porte. Pingouin, Joker, Solomon Grundy, tout ça. Oui, tu mais... Tu es sûr, Bruce. Un seul homme a survécu à cette épreuve. Tu essaies de me convaincre de ne pas le faire? Bien sûr que non, mais... Je veux que tu sois sûr. Quand le sang du démon s'emparera de toi, tu seras tout seul. Comme toujours. Puissent les esprits être cléments. Ouais, mais c'est quoi cette histoire de sang du démon? J'aimerais bien qu'on me prévienne, moi. Parce que si c'est encore un sang contaminé, j'en ai déjà dans les veines, donc du coup, ce serait pas cool. Bienvenue, détective. Je me présente, je suis le grand Ra's al Ghul. Devant vous se trouve la première épreuve du démon. Il suffit de boire dans ce calice. Ça n'a rien de compliqué. Et si vous croyez que j'allais le faire maintenant, eh ben vous vous trompez. Donc, sur ce, merci d'avoir suivi cet épisode. Désolé si j'ai pas beaucoup parlé et tout, je suis un petit peu crevé. Bon, je vais reprendre du poil de la bête pour les prochains. Comme prévu, c'est comme j'ai dit, c'était le seul épisode de la semaine théoriquement. Voilà. Si j'ai pas encore j'ai pas encore des galères concernant les autres vidéos, bah du coup, voilà, il y aura qu'un seul épisode quoi. Et sinon, bah désolé pour ceux qui interviennent plus. Donc du coup, c'est pour ça que cet épisode a duré un petit peu plus longtemps. Du coup sur ce, si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, un petit commentaire, c'est toujours plaisir aussi. Vous pouvez accessoirement vous abonner ou partager la vidéo. Et sinon, sur ce, à plus, tout ça.